Je suis heureuse de vous présenter en quelques mots la Faculté des sciences d'Aix-Marseille Université. C'est un lieu d'innovation et d'amélioration continue. Innovation dans ses laboratoires nombreux qui couvrent toutes les disciplines scientifiques. Amélioration continue car les équipes pédagogiques travaillent sans cesse à l'amélioration des compétences de nos étudiants en sortie de diplôme. Les compétences scientifiques, bien sûr, à savoir leur capacité à résoudre un problème nouveau, les compétences professionnelles en travaillant en relation avec le monde socio-économique, les compétences internationales en développant les échanges avec de nombreuses universités, notamment dans le cadre de l'université européenne CIVIS, mais pas uniquement. Des instituts récemment créés ont la charge de travailler de façon pluridisciplinaire sur une thématique donnée, afin de dépasser les frontières entre disciplines et de renforcer le lien entre la formation et la recherche. Ce lien formation-recherche caractérise la formation universitaire. Elle apporte une méthodologie de travail très riche et applicable à tous les secteurs. Ainsi, le très haut niveau de la recherche développée au sein de nos laboratoires contribue à la qualité de formation de nos étudiants et facilite leur insertion professionnelle. Cette innovation et ce travail d'amélioration continue sont donc largement mis au service de l'insertion professionnelle de nos étudiants, qui est une de nos principales préoccupations. La Faculté des sciences est riche d'une histoire commencée au début du XXe siècle. Ses laboratoires se répartissent essentiellement à Marseille, entre le nord à Château-Gombert et Saint-Jérôme, le centre à Saint-Charles et le sud à Luminy. À cela, il faut rajouter Aubagne, avec un laboratoire qui travaille sur l'image et le son. Nos formations se répartissent logiquement sur ces mêmes sites, auxquels il faut rajouter Aix-Montperrin, qui accueille des licences. C'est ainsi quelques 11 000 étudiants et 1 200 personnels, enseignants-chercheurs, enseignants, personnels administratifs et techniques, qui se répartissent sur les différents campus. Enfin, nos campus se rénovent. L'innovation et le développement de lieux de partage sont l'affaire de tous et doivent permettre à chacun d'y étudier et d'y travailler dans les meilleures conditions possibles. À très bientôt donc sur un de nos campus.